the loop. Rise now, you make your Kobo Munaka. Then no Maki Maki was out, not Chewbacca. Kobo Chaka Louie, Naki Mani Wea. Boto Waka Nuki, Nick Mizana, Princess Leia. Nuki Waka Chubby, Funa Hunda Waka Zoo. Peachy Kiki Waki Waki R2D2. Yo, I don't need to keep coming.
Et bonjour à tous, bienvenue sur la tribune de Coruscant pour ce nouveau stream. Je suis en compagnie de quelques troopers d'élite, on va dire. Pour faire du... on peut vous d'élite, qualifier... D'élite. Oui, non, mais attends, mais on va survendre un peu le truc avant, tu vois. Avant de dire qu'on est nul. Ah mais histoire de... l'élite. Oui. Les meilleurs. C'est dans la bienveillance. En tout cas, c'est ce que m'a dit ma maman. Je suis normal, tu es tu es spécial, mon petit. Bref, bonjour à tous. Et donc, je suis en compagnie de YJKen, youtubeur de son état. Speakrine. Bonsoir. Qui est sympathique. Merci. Teach. qui est sympathique aussi. Et Barek, qui est... Alors, il est, du coup, voilà, sur... dans l'équipe pour nous offrir les meilleures news Star Wars de tout Facebook. Par contre, il est pas sympathique. Kaiju Master. Et il adore les cailloux. Ah oui, c'est vrai. Et les proutes. Et les flatulences, on va dire, voilà. Non, bah attends, il faut un mot un peu, tu vois. Un peu. Moi aussi, ma maman m'a dit que j'étais spécial. Voilà, bon. Spécial, c'est pas toujours bien par contre. Alors j'espère par contre que ça viendra pas le titre de la vidéo en fait. Genre, ma maman m'a dit que j'étais spécial. Non, je pense qu'on va. Il y avait pas un titre de vidéo avec des proutes. Oui, c'était guerre épée, mais bon après. Voilà, puisque Barek a une passion pour les modes fart. Donc. C'est pas ce qu'on a fait de mieux, mais. Voilà, c'est ça. Oh, mais attends, mais j'ai un petit souci, en fait, le chat est complètement caché. Ah Moi, je l'ai sous les yeux parce que j'ai mon petit ordinateur sur les genoux en même temps pour le lire. Alors, attends.
Quelle indignité. J'ai juste la technique du alt-tab. Oui, bah moi, c'est le vieux alt-tab. Regardez sur le côté, le alt-tab sur l'écran. Alors, je n'ai pas de deuxième écran, YJ, donc je ne peux point. Moi, j'ai un deuxième ordi. Comment ça, la tribune n'a pas de deuxième écran? Et la YouTube Money, elle sert à quoi? Mais Alors, merci pour le follow. Là, je viens de voir ton message sur le chat. Donc, Nicolas. Ma mère m'a dit pareil, trop bizarre. Ouais, lui, je le connais, c'est normal. Tu le connais, c'est normal? D'accord. Ouais. Mais ma mère m'a dit pareil. Oh mon dieu, pas possible. Alors attends, si je remonte le chart et que je le mets là, voilà, on voit enfin ton message. Ça aurait été dommage de pas voir ça quand même. Oui. Alors, si on reprend, bah, je vais lancer une partie d'assaut galactique, non, c'est ça? Bah oui, c'est ça. Ça me va. On peut lancer de l'assaut galactique. Allez. Allons faire des orphelins. Ça dépend de quel côté on est. Oui. Dépend. Si on trucide du droïde, on va difficilement faire des orphelins. Effectivement, dit comme ça. Par le temps des vieilles imprimantes sans père. Les pauvres grippins aussi. Il y aura plein de Genosiens. Alors, je suis désolé, mais grippin, c'est un terme raciste. Si t'avais regardé Battlestar Galactica, tu le saurais. Grippin, c'est raciste. Ouais. Non. Je cautionne pas non plus. You fracking toaster. J'ai déjà terminé Star Trek. Ah, mais en fait, là, c'est bon, on peut tuer des gens, on se bat pour la liberté. Ouais, on se bat pour la liberté. On est gentil, hein. On est gentil, pas vrai? Right? With the good guys, right? Et le plus souvent, on nous appelle terroristes. Du côté de la lumière. Ouais, mais c'est les méchants, c'est les méchants qui disent ça. C'est les médias, c'est les médias. Théorie du complot. Sur les fake news. Complotistes. You are fake news. On est dans quel environnement? J'ai pas regardé. Tatooine. Si tu écoutes parfait, la musique. Une fois, je n'avais pas regardé, je me suis retrouvé en sniper dans un vaisseau. Voilà. On est au Canada en ce moment, du coup. Si c'est tout. Ça dépend de la région, parce qu'il paraît que d'un côté, c'est très chaud. J'écoutais France Inter hier en revenant. Après la surveillance du brevet. C'est passionnant. Oui, non, on s'en fout. Mais non, mais il disait qu'au Canada, il y avait une côte qui était genre méga gelée et l'autre qui était en train de crever de chaud. Que j'ai compris, donc. Eh bien. Voilà. Bah, tu sais, après. Ce qu'on appelle le changement climatique. Si Korsov, il est de quel côté? C'est comment son côté Kawhi déjà? Il est à Montréal, je crois. Il est à Montréal? D'accord. Il me semble, je suis pas sûr. C'est sympa, Montréal. Après, tu sais, Jakku est classé comme une planète froide, donc. Oui. What? Oui, oui. Jeddah aussi, hein. C'est officiel. Oui, non, mais. Jeddah, tu le vois que dans le film, ils sont habillés chaudement et tout. Mais Jakku, j'ai jamais compris par contre. Oh, il y a des Parce qu'en fait, peut-être on était juste en été, hein, on sait pas. Ah! Peut-être dans le film, on était en été. Oui, enfin, sur Jakku, c'est vraiment du sable, genre Sahara. Alors que Jeddah, c'est désertique, mais c'est rocailleux, donc tu peux comprendre. Oui, à la limite, tu te dis c'est des rochers. Mais sur Jakku, en général, quand c'est du sable comme ça, que c'est de la roche fine, c'est que c'est chaud. C'est pas que c'est froid. Ou alors, il y a eu, à cause de la bataille de Jakku, un dérèglement planétaire. J'ai balancé une torpille depuis mon X-Wing. C'est mon entre les mondes. C'est ça. Oh, j'ai fait un shot. Ça y est, j'ai battu quelqu'un. Bon, lui aussi m'a tué, tiens. Il était temps. Oh, aïe. J'ai dégommé un type à la torpille à proton. C'est violent, ça. Tu es ce genre de personne qui joue torpille à proton? Oh, bah... Puis le X-Wing Non, j'ai confondu avec le Ionic. Aïe. Non, mais le Ionic. Aïe, non. J'ai pas eu. Ah, on aurait été dans Squadron, je t'aurais éclaté la gueule. Mais... D'ailleurs, quand est-ce qu'on se prend une partie de vaisseau dans Battlefront aussi? Oui, c'est une bonne question. Quand est-ce qu'on est sur Squadron? Oui, aussi. Allez, on se dit la semaine prochaine si ça vous va. La semaine prochaine, je suis pas là. Ah mince. Ah bah c'est parfait, du coup on pourra jouer. Ah, ouais, c'est méchant. Pour le mois de juillet, je vais pas être trop dispo. D'accord. La première moitié. Moi je serai là. Je serai là aussi normalement. D'accord. Non. Pardon.
hier, j'ai fini le tome 7 de Dr. Aphra là. C'est le dernier de la série de la série 2015. Ouais, c'est la dernière. Ouais, ouais, le dernier tome. D'accord. C'est une fin super intéressante, je trouve. Ah, je mais les relis, j'ai le 7 aussi, mais de toute façon, si le soutien aérien peut soutenir de manière aérienne. Un marcheur Ça va être difficile qu'il le soutienne de manière terrestre, j'ai envie de te dire. Ah, c'est pour ça que j'arrive dans les airs, Spi. Il y a un héros qui arrive sur les cantinas. Ah, mais c'est pas possible. À chaque fois, je me fais dégommer par un type. Oh, c'est Grievous, on est vraiment dans la merde. On appelle ça le karma. Qu'il est. Et Grievous là? Ah oui, c'est multi. Les héros, c'est. Un TST qui bombarde. Un TST niveau. Pas une incohérence temporelle. Non, on n'est pas à ça après ici. Rien, hein. C'est le monde entre les mondes, on ne cessera jamais de répéter. J'ai même plus besoin de le dire maintenant, c'est trop évident. Ah, je suis tombé. Ah, je vois le. TST qui spawn kill. Putain. Niveau max, hein, vraiment, son véhicule. Bon, allez, je m'en fous. Je me fais un peu ouvrir aussi. Venez, et que fait le soutien aérien? Mais je me fais dégommer à chaque fois, ils m'ont gonflé. Dès que je spawn, en fait, il y a un taille qui me dégomme. Bah, dégomme le taille. Mais oui, mais j'ai pas le temps. J'arrive, je me fais démonter. Je fais bon, bah merci quoi. Bah de rien, mais dégomme-le quand même. Ah bah vas-y. Et vas-y, tue-le. J'aimerais bien vous y voir, moi. Non, mais moi je ne pilote plus que sur Squadron. Hein. Ok. Les deux TCC, c'est niveau max et niveau 400 et quelques. Ok, non. D'accord, bah je vais prendre un X-Wing et puis après on va voir. J'ai envie de dire qu'on est peut-être un peu foutu. Il y en a un à droite et un à gauche. Ah, c'est chouette. Ah putain! C'est la gangbang. Non, je suis pas là. Voilà, un taille en moins. C'est joli, j'ai vu. Yes, joli. Voilà, c'est bon, bravo. C'était pas difficile. Ah, mais tais-toi. Ça blesse un peu. Non, mais tu sais que, franchement, mais après avoir passé je sais pas combien d'heures sur Squadron... Un droïde DK volant. Quoi? Mais ce sont mes mods qui bug. Et les jump impériaux, ce sont des droïdes DK volants. Non, mais arrête. What the hell? Tu fais du mal. Oui, je suis d'accord. Oh. Je suis trop déçu qu'on puisse pas monter sur les bantos. Les bantos sont dit. Les bantos. Oh, je sais, je vais prendre un Ewok. Un seul véhicule, ça destroy the gameplay. Non. Vehicles are cancelled, yes. Ah non, on parle pas de cancel, s'il te plaît. Est-ce que tu préfères parler de Redcon? Ah, c'est un cancel un peu. C'est une forme de théorie, cancel. Non, c'est continuité rétroactive. Pas de cancel. Oh, les. Hein? Punch roll. Ah, ça va. Oh, mais il est sérieux lui. Yes, French, et alors. French gros brrr. French gros brrr. Mais j'arrive pas à monter, c'est pas possible. Quelqu'un peut m'aider à monter cet escalier? Non. One step at a time. Laisse tomber. Y a un sabre laser rouge, j'ai vu Dark Vador. Ah! Oui, je l'ai vu! Un peu trop près, je pense. Jim Elot. Ah merde, il y a un français en face aussi. Bah c'est le mec qui disait French lol, hein, donc. Vive la République. Et vive la France. Bon. Hugues. Ouais. Et Kylo là-bas. Et on se fait exploser un peu. Bah ouais. Oui, on se fait bien la tronche. Oh, Grievous. Je vous ai compris. Oh non. J'ai lancé une grenade sur nous-mêmes. C'est pas très malin ça. Ah, ils ont activé. J'ai lancé un pif. Bête, d'ailleurs. Oh, non mais attends, il y a tous les Français de BF2, c'est quoi le truc là? Non mais c'est des Français. Oui.
Et il y a personne qui a demandé c'est le vrai tribune. Français ennemi, quoi. Non. Je peux mettre ça ou pas? Elle est lessus. Est-ce que j'ai le droit? Oui, t'as le droit. Hein. Ouais. Façon, moi je m'en fous, j'aime pas le foot. Alors... Moi aussi, je m'en tape. Complètement. Et c'est pas, on a pas la Suisse qui a éliminé l'équipe de France? Bah justement, ouais. Ah, vous êtes con. On l'a mutilé en même temps. La course. On a perdu. Oh mais non. Oh, 4 kills, 12 morts, merde. C'est une vraie surprise. Je connais FRP, oh. Non, c'est moi le double compte. Merde, j'ai envoyé sur l'équipe. Je connais pas FRP, dommage. Attends. Mais non, mais du coup, il a pas pu le voir, j'ai envoyé l'équipe. Zagolor qui dit c'est tous les viewers du stream. Bah non, sinon ils auraient tilté, là. Oh, damn. Parce qu'il y a des gens qui regardent le stream. Oui, oui, oui. Quand même. Oui, attends. Oui, pourquoi pas. Logan. Oh, il y a un... Hein? Mais il y a un FRP en face, je ne le connais pas. Mais... Oh, on est du côté de l'Empire, je vais pouvoir prendre les tests. Mais comment... Quoi? Mais comment c'est possible? Alors, je suis admin de la FRP, je ne sais pas qui est cette personne. Non, mais je veux dire... C'est un faux. Il y a FRP Barrek qui est affiché comme dans l'équipe adverse. Quoi? Hein? Non. Non, non. Enfin, non, mais dans le chat, moi, c'est bizarre. Le premier est en rouge, ton premier message. Ah. Bon, j'étais... j'étais FRP à l'époque. Mais va te faire mettre, toi, MFS, maintenant. J'ai tout refait. Ça a des fesses. Spikrin, t'as pas l'âge pour ça. C'est Y qui a pas l'âge. Du coup, tu fais du détournement de mineur avec Y, je te félicite pas. Hein. Ouais, j'avoue, c'est pas glorieux. C'est pas moi. C'est. Attends, ni éthique ni responsable. What? Qu'est-ce qu'il raconte cet abruti là? Oula, il y a un Y. Vous parlez mal, on parle très bien d'abord. Non mais. C'est quoi cette méchanceté? Mais ça va pas non? C'est honteux. Il a pas dit bonjour! Non. Ouais, mais d'accord, mais c'est violent aussi votre truc. En même temps, il m'a pas dit bonjour. Oui, c'est non mais il va se calmer avec ça, c'est le seul mot qu'il connaît en français le type ou c'est quoi là? Est-ce que quelqu'un peut gentiment lui dire de la fermer? Bah j'ai essayé, j'ai dit chut. Je courais après un Jawa moi aussi. Mais Barrek Mais l'encourage pas. Peut-être qu'il connaît ça aussi. Non mais c'est moins vulgaire. Ta bouche. Ta bouche. Un peu plus parisien. J'ai des doutes, mais d'accord. Wow. Where? Comment on active le chat déjà? Entrée. Oh. Il continue en plus, hein. Chute les enfants. Je peux pas être adulte quand tu dis ça sur un chat d'un jeu vidéo. Comment on fait pour signaler déjà? Tu es un enfant, voilà, tu vois. Je suis majeur. Comment on fait pour ça? Oh merci Y. D'accord. Attends, il est... Ah merde, il est dans notre équipe, sinon je l'aurais cherché, je l'aurais fumé sa gueule. Putain, tu m'as autant surpris que Bohort là, tu sais quoi. J'ai activé la musique dans la cantina. What? J'ai vu ça. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. On danse. Alors on danse. Mmh. Merde, ça arrive. Un enfant. Je pense pas que ce soit sa langue maternelle le français. Hein. Ouais, il y a des chances. Ah bon? Je pense pas. C'est pour ça que j'ai félicité Y. Mais. Est-ce que j'ai le droit de dire ta gueule dans le chat? Oh, un petit TG, ça a jamais fait de mal. Ouais, mais il comprendra pas. Ouais. Non, 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 mais. Mais... Ça peut te. ça peut.
ça peut parfois coûter des... Bah ouais, c'est ça. Pas forcément des bans directement, mais des petits... Ah, je suis tu vois. Techniquement, j'ai rien dit de... Ta gueule. Je peux dire, j'ai écrit ta gel. Comme t'es en ta gel. T'es en ta gel, ouais. Tu fuis les snipers en haut, toi aussi? Ouais, aussi. On s'est retrouvé au même endroit, c'est pour ça. Ah, y'a un jump. Aïe, sniper de merde. Ouais, je l'ai vu au loin. J'aurais jamais assez de temps pour monter cet été. J'ai eu le snipe. Oh. Merci, tu m'as vengé. Comment on active le bouclier déjà? Bon, il va me saouler lui. Scoreboard, c'est lequel? C'est l'hero truc. On a perdu. Alors, est-ce qu'on sort et est-ce qu'on recharge pas pour pas tomber sur l'autre là? Oui, vas-y. Hein. Moi, pas forcément besoin. Non, ça va. Si ça sort trop tard, parce que là on va changer de map, c'est-à-dire qu'il y aura un matchmaking. Ah. Enfin, après, c'est pas sûr du coup. Sûr et certain qu'il sera plus, mais. Mais on quitte quand même, je suppose. Allez, ouais, moi ouais. Je quitte, attends, c'est bon. Allez. On change, peut-être faire un escarmouche ou autre chose. Même si j'ai pas eu le temps de jouer mon TSTT. Une suprématie. Tu pourras pas jouer TSTT non plus. Oh, suprématie, tiens. On peut faire des TSTT. Suprématie prélogie. Suprématie générale. Pas que prélogie. Tu préfères avoir un autre truc? Non, là c'est bon. Suprématie, on lance au hasard, on voit ce que ça tombe. En général, c'est tout. Il y a des petits modes de jeu à 16 joueurs aussi qui sont plus cool. Plus aléatoire, voilà. C'est mieux à mon avis. Là, au moins, s'il y a plus de joueurs avec nous, ils peuvent nous carry. Comme Fischer. C'est le Camino. Bah voilà, on tombe sur la prélogie quand même. J'ai mis Play Any. Hein. Je crois. Hein. Parce que c'est la meilleure suprématie. C'est la suprématie des suprématies. Entre la post-logie qui est totalement déséquilibrée et la prélogie où ils ont même pas eu le temps de faire les destroyers. La trilogie originale, je veux dire. Oui, voilà. Oui, c'est vrai qu'ils sont pas. J'étais dégoûté parce que moi j'attendais depuis que le mode a été annoncé qu'on aille dans les en vrai, ils y sont. Ils y sont, mais ils y sont pas. Quand t'es sur Scarif et que tu regardes dans le reflet de l'eau, tu peux voir un Star Destroyer et un merde, les croiseurs Mon Calamari là, j'ai perdu le nom. C80. Enfin, ouais. Sérieux? Et quand tu prends, alors ça par contre ça marche sur toutes les maps. Quand tu prends un sniper, enfin en fait quand tu prends une arme avec une lunette et que tu te mets à vue la première personne dans le sans viser, dans le reflet de la lunette, tu peux voir les destroyers quand tu regardes en bas et du coup t'as le reflet du haut. Oh là tu peux les voir, tu peux les voir en ciel, mais du coup quoi. tu les vois qu'en reflet. Tu veux en regardant le ciel, tu les vois pas, mais tu ne les vois que dans les reflets. N'importe c'est très spécial. Et tu vois bien que c'est un destroyer impérial, c'est pas un du premier ordre. Oui, c'est vraiment le modèle du destroyer, ouais. Quoi. C'est ça. De toute façon, il est déjà dans le jeu pour le mode spatial. Donc, Regardez, je suis parfaitement camouflé avec mon environnement. Oui. Une blague. Allez, on passe à l'attaque des clones. c'est marrant. C'est notre deuxième mode de jeu, ceci dit. On peut dire que c'est notre épisode 2. Ils sont où les ennemis? Ils arrivent. Ils sont tout prêts. Va sur le point C, tu vas les trouver. Non, moi je vais me cacher. Aïe. Ah, on prend le A et ils quittent le C là. Ah, ils prennent le E par contre. Je mets le radar sur le point C. Ouais. Le point B, il est plus près du point E. Ah, il est là-bas le point. J'aurais dû prendre le point A, il est plus près. Aïe, 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 aïe. J'ai un shoot. Ça y est, j'ai trouvé le point E. Je me suis fait tuer aussi. Waouh! Ah ouais, Sentry Mode. Comme ça. Attends, je vais mettre en phase 1. C'est quand même plus raccord. La phase 1. Pour être en phase avec ton environnement. Ouais. Berk, la phase 1. C'est ça, non?
Radar surpensé. Ah. Eh ben. Ça me passe pas des tristes. Personne n'a vu ce que j'ai fait. Aïe. J'ai entendu, mais... Oh, il y a un poulpe qui vient de jaillir. Nous avons un... Ah, j'ai la hâte de le recevoir. Un guild de fixe dans le chat. Quoi, qui ça? Dans le chat du jeu, on a un gars de l'Est. Ah oui, effectivement, il est russe. Roscoff. Oh non, encore. Non, nous c'est Korsov. J'ai failli tomber. Roscoff. Korsov. D'ailleurs, son pseudo n'a absolument aucune connotation à l'origine russe ou quoi que ce soit. Ça vient d'où? Comme mon pseudo n'a absolument aucune intention à avoir une connotation arabe ou quoi que ce soit. Ça sort d'où du coup, votre pseudo, d'ailleurs? Moi, c'est la prison Barek, c'est dans les BD, les légendaires. Mais c'est génial, les légendaires. Franchement, ouais. j'ai tout relu récemment parce que j'adore. Je suis un gros fan et c'est une prison où on enferme tous les plus grds criminels. Oui, et c'est la prison Barek et elle se trouve en plein milieu d'un désert. D'ailleurs, quand j'ai lu, quand j'ai relu récemment, en fait, j'ai compris le jeu de mots. Prison Barek, en fait, pour Prison Break, tout simplement. Oui. Voilà. J'avais pas compris. Et j'ai juste rajouté un H pour faire entre guillemets plus Star Wars. Ah, parce que normalement c'est EK à la fin. Ouais. J'ai cru voir les sabres de Grievous. C'est génial. Oui, Grievous sur point C. Et Korsov il m'avait expliqué, mais je ne saurais plus du tout se redire. C'est un truc en verlan un peu modifié, mais. Mais les légendaires, c'est quel domaine de fiction en fait? En gros, c'est quoi comme. C'est de l'heroic fantasy. Ouais. D'accord. C'est plus jeunesse. C'est l'heroic fantasy très jeunesse, surtout sur les premiers numéros, et après ça c'est un peu plus... Ouais. Oh, salut Jesse. Les origines notamment, c'est... Ouais, avec les origines. Et au fur et à mesure, c'est de plus en plus violent et de plus en plus sanglant. D'accord, ouais. Ça évolue un petit peu. Le Thanatos. Ouais. C'est comme la meilleure chose qui soit arrivée à cette série. Non, c'est pas comme Harry Potter. Non, mais dans le sens où ça évolue au fil du temps. Les premiers tomes sont très très enfantins, les... Ouais, 4-5-6 premiers tomes. Salut à les Eren. En vrai, à partir de maintenant, c'est une série que je conseille beaucoup. Alors, la série principale, c'est terminé l'année dernière, je crois. Ouais, avec une vingtaine de tomes. Le 23, moi, j'ai pas trop aimé la fin personnellement, mais ça m'empêche pas d'apprécier le reste. C'était spécial, c'était pas les meilleurs numéros, mais c'était spécial. Ouais, non, de toute façon, tout le World Without, moi, personnellement, j'avais du mal. Après, ils ont fait sur les origines des personnages, donc du coup, c'est franchement super sympa. Ah, c'est pas possible. Les origines, j'adore ça. Et là en ce moment ils font sur les chroniques de Derkel. Ouais, j'ai le premier. Ouais, mais ils ont sorti qu'un, je crois le tome 2 c'est cette année. Le 2 je sais pas exactement qu'il est sorti mais je suis pas sûr. À chaque fois c'est à la fin de l'année qu'ils en sortent, c'est un tome par an à peu près. Et du coup je suis ça depuis le collège. Hein. Oui parce que ça fait un moment que ça s'est publié ce truc là. C'est un tome par an, c'est à peu près un tome par an. Je suis la primaire personnellement donc... Ouais, oh. C'est à peu près un tome par an, et je te dis, sur la série principale, il y a 23 tomes, et plus 6 des origines. 5. Il n'y a que 5 pour les origines. 5, il n'y a pas 6. Ouais, non. J'aurais bien aimé qu'il y en ait un 6ème pour tu vois qui, mais... Non, je ne sais pas viser. Non, mais moi, ça va pas ce soir, en fait. Oui, mais c'est pas toi qui es 15ème. T'es où, Barek? Ici. Barek, t'es où? De quoi je suis où? Là, je suis mort. Ah. Je spawn sur toi. Spawn sur moi, ouais. Ah oui, non, regarde, vas-y. Oh, je suis 14, je suis juste au-dessus de toi. Ah. J'aime ce son. C'est honteux. Franchement, si j'arrive à accomplir mon rêve et faire le métier que j'ai envie de faire, une des premières choses que je veux faire, c'est créer un truc autour des légendaires. Voilà. Et c'est quoi ton rêve, du coup? Voilà. Histoire de position, etc. Contexte. Réalisation, scénario, tout ça. Donc faire un fan film, un truc dans le genre. Non, même pas un fan film en fait. L'adapter de bosser avec Sobral là. Par exemple, ouais. Il y a déjà une série animée. Oui, c'est vrai qu'il y a une série animée que j'ai absolument pas regardée. J'ai vu la bande-annonce et ça m'a juste convaincu de pas le regarder parce que les... Ah, ça a l'air très très enfantin pour le coup. Avec le style graphique, à la limite ça va, mais les doublages, j'aurais pas réussi. Ah. Oh là là, mais... J'ai rien contre le doublage français, mais là c'est un style différent de. C'est une série française. Hein. Oui, enfin. C'est franco-français, légendaire.
Oui, oui, bien sûr, mais. Oui, mais elle était avec la façon de doubler. Ouais. Avec, non, bah, ça, c'est les voix que tu t'imaginais. Ça, c'est. Enfin, moi, j'imaginais même pas de voix vraiment, mais enfin, du coup, ça fait. C'est très étrange. Ouais. Parce que. Ouais, mais faudrait que j'attende un coup d'œil. Des adultes dans le corps d'enfant, puis là, enfin, c'est des voix complètement. Oui, je vois. Ah, trop de gamins, c'est ça? Ouais. Même dans les voix. Après, le personnage, c'est un peu des gamins, mais bon, c'est. Ouais, parce que le. Ah, le salut à toi, Aigle 14-18. Enfin, des premiers, en tout cas. Le pitch légendaire, c'est que, en gros, t'as une pierre de pouvoir qui a été pété. Le méchant sorcier, il casse la pierre des dieux, et du coup, maintenant, ouais. tous les habitants de la planète sont devenus des enfants. Et du coup, tout le monde est rajeuni à des enfants. Ah, mais sauf que ça reste des adultes, mentalement, c'est ça ? Seuls les enfants grandissent. Et voilà, et du coup bah ils essaient de réparer leurs conneries. D'accord. J'avoue que c'est un truc que je connais, mais alors pas du tout, quoi. J'ai un peu vu le dessin animé à la télé. Je conseille beaucoup. Qui lit ça en ce moment et... Parce que vu que j'ai tous les livres à la maison. Il a tout lu en 3 jours, il adore ça. C'est génial. Ah ouais. Et ça se lit très rapidement, franchement. D'accord. C'est pas des 100% Star Wars, quoi. Oui, non, mais de toute façon, c'est de la BD franco-belge de 40 pages et quelques. À peu près, ouais. Avec le 11 qui est, selon moi, le meilleur. Le 11, c'est le cycle de Danco, ça, non? Ouais, c'est Versus Inferno. Wow! Ah oui, Versus Inferno. Ok, je viens de voler. Personnellement, j'ai découvert les légendaires à travers les adaptations en roman de la Bibliothèque Verte. Donc j'ai lu 1, 2, 3, 4 comme ça. Et puis après j'ai découvert les BD. Puis je sais pas, après j'ai lu le 11 directement. Ça fait que j'ai pas compris. Sans blague. C'est comme moi quand j'ai commencé par la saison 3 de The Clone Wars. Bon, enfin, de toute façon, The Clone Wars, même par la saison, et parfois tu comprends pas donc. J'avais une question, on n'est pas en train de faire la télé, c'est non 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 pas du tout dans les vaisseaux, donc bah, apparemment il y a 1675, effectivement on s'est bien démonté. Exactement. Oui, très perspicace. Ouais, t'as vu, je suis Sherlock Holmes. On a Enola Holmes avec nous. Et allez, vas-y. Non mais c'était sûr. Ah voilà, il fallait qu'il y ait une référence à ça. Mais c'est où Grievous? Il m'a vu puis il s'est barré. J'ai fait un gros P sur Grievous là. avec le le République Commando, c'est ça? Hors contexte. Oui. Mais heureusement qu'on sait de quoi tu parles quand même. Et sinon on trouverait ça, je pense, bizarre. Ah non, c'est drôle. Déjà que... Oh non! Oh merde! Qu'est-ce qu'il y a? J'étais avec le Riff Commando, avec le lance-patate, là j'ai tiré au pif sur le point C, un kill de bot. Ah bien! Comme quoi le pif ça peut être. Oh le pré-shots! Ah bah tiens, il y a Lucas Prime sur le chat. Salut à toi! Bonjour Lucas! Moi je pète sur les bots! Chacun son utilité! Ah merde, il y a un effet de drone snipe sur le toit là, il fait quelqu'un pour le buter. Time. Le mec il rage. Qu'est-ce qu'il dit? Bah il dit que qu'on n'a pas le temps, on va perdre, c'est pour ça. Time. On s'en fout de toute façon. On va dans le vaisseau puis on peut toujours gagner. No time to score. Là, il est pas encore sorti. Mais non, et il sort quand ce foutu film là? Je sais plus. Probablement la fin d'année, je pense. Oh là là. Je pense pour Noël. Hein. Ce qui devait sortir en octobre d'avant, non? Putain, en octobre 2020? Ouais, c'était fin d'année dernière, je sais. Mais... Attendez, on est censé embarquer ou on est censé les empêcher d'embarquer? Les empêcher. D'accord. Parce qu'on a perdu. Là, surtout, on fait ce qu'on peut. Sinon, ce qu'il faut faire, c'est écrire au-dessus et marquer vaincre les ennemis, les envahisseurs ennemis. C'est plus facile à dire qu'à faire. Qu'à lire aussi, déjà. C'est vrai que lire, c'est plus facile à dire qu'à faire.
J'ai pas compris. Pourquoi j'ai fait ça? Au secours. Oh non, je suis certaine de sécurité de corruption, je suis venu vous prêter ma porte. J'ai fait 26 illuminations quand même. Non mais ça va, time. Tu vas avoir une minute 30, c'est ça? Oui, CAB. CAB. Non, mais il a fait une faute de frappe. Non. Il s'est frappé. Parce que CAB, c'est le véhicule pour moi. Ouais, c'est, ouais, le bah, c'est le char d'assaut blindé. Pour moi, c'est AAT, mais ouais. Oui, c'est ça. Bah, c'est grâce à Battlefront hein, que je pense à CAB et pas AAT. C'est quoi ton type d'armure préféré des clones? Ouais, j'avoue, quand même, j'ai une préférence pour la phase 2, moi, par rapport à la phase 1. Vous en pensez quoi d'ailleurs, tu vois? Clairement. Phase 2. Moi, je sais pas faire la différence, donc. La phase 2, personnellement, je l'ai découverte dans The Force Unleashed sur Wii, parce que j'avais pas encore vu l'épisode 3. Voilà. Je connais les caractéristiques des deux faces, il y en a une qui est plus confortable mais moins résistante. Non, mais physiquement. Je sais absolument pas comment. T'en as une qui ressemble à Jango Fett et une qui ressemble à un Stormtrooper. À la crête et est-ce que tu préfères épisode 2 ou épisode 3 les clones? Je sais plus la gueule qu'ils ont, les trois clones, je me rappelle impossible. Pas de ça spécialement. Bah alors, dans l'épisode 2, ils ont la phase 1 et dans l'épisode 3, ils ont la phase 2. Et du coup, le truc, c'est que dans l'épisode 2, ça, comme il disait, ça ressemble plus à un casque de Mandalorien, à la limite. Ah. Et l'autre, par contre, c'est en train de shifter vers du Stormtrooper. Sans doute, je vous crois. Speak, viens voir. Oui. Retourne-toi. Oui. Là, je suis en phase 1, d'accord? Oui. Toi, t'es en phase 2. Ah, oui, je vois la crête. Voilà. Je vais te tuer pour cet affront. Bah, c'est pas mal, mais... C'est sympa, mais ouais, ça fait trop... Ouais. Ça fait trop caminois. Hein. Faut leur donner à manger. Après, la phase 1, en fait, c'est un mélange entre les caminois, enfin, entre un style caminoin et les mandaloriens. Ouais, c'est avec, ça. Avec la crête, tout ça, c'est les caminois. Mm. Comme les droïdes béens ressemblent à des jeunosiens. C'est le même principe. Tout à fait. Un peu. Les droïdes béens ressemblent à des scarabées, je sais plus quoi. Et les colicoïdes je sais plus quoi. Je crois que c'est ça, hein, c'est les colis. C'est les navettes chitipèdes aussi. Oui, ça ressemble à des scarabées. Attends, tiens. Vérifie que je dise pas de conneries. Mais tu dis toujours des conneries. Alors déjà, toi, tu te calmes d'une. Ok. Non, mais ouais, les colicoïdes, c'est... Cola 3, 4. Les Kyog créés. Les droïdes cassent. Envoyez les droïdes des casses. Merde, je suis mort avec Obi-Wan Kenobi. Vous croyez qu'un Satan a une offensive? Maître des destroyers. Je ne sais pas. Maître des destroyers. Pour nous forcer la main. Ah, c'est ce qu'il dit Obi-Wan. Oui. Ah, la reine Amadala. Et attends, et on en parle de ça. C'est la première fois qu'on prononce. Nous obtenons des résultats. C'est la première fois qu'on prononce. Genre à l'oral. Prononce à l'oral. Bref. Le nom de Padmé, il faut que le mec Amadala. Te balance un Amadala. Mais non, mais non. C'est la reine Amadala en personne. Enfin. Ah mon dieu. C'est... Vous avez déjà eu affaire à un chevalier Jedi? Ah oui. Non. Non. Fermez les sas blindés. Non, ils sont deux. Ils sont perdus. Ils sont tellement affreux, ceux-là. La situation nous échappe. Voilà qu'ils sont deux. Maintenant. Non. This is getting out of hand. Non, there are two of them.
Speak, voilà. T'es où? Là, je suis en phase 2, regarde. On a perdu. Oui, bah, je vois. Salut. La partie est terminée. Pourquoi ils appellent pas les droïdes? J'adore jouer la République en suprématie. Et nous avons perdu. Est-ce qu'on a gagné une seule fois depuis le début? Non. Nope. Ah non, ça fait deux parties. Ça fait trois parties. Oui, non, c'est... Oui, non, speak, ouais, c'est, ça marche. C'était bien écrit, t'inquiète pas, Lucas Prime. Ouais. Elle ne se vexera pas aujourd'hui. Mais non, c'est pas Speak, c'est Sopicurine. Hein. Et pas Sopiqué. Non, je ne me vexe pas, c'est Speak, effectivement, ça s'écrit comme ça, de toute façon. Et pas Spike. Spike Green. Spike Green. Faudrait peut-être qu'on essaye de gagner une fois. Juste pour faire genre. Alors, en fait, tu sais, Speak, on joue pour ça, en fait, je crois. On joue pour. Enfin, moi, en tout cas, je joue un peu pour gagner, quand même. Ah bah, moi, non, personnellement. Hein, j'adore me faire démonter au jeu. On peut tenter de gagner sur Kashi. Oh putain. J'ai une blague, mais j'ai pas envie d'être dégueulasse sur l'endroit où on est. Ça annonce la couleur, tu vois. Mais non, mais parce que. Ah, oh, je vais l'écouter. En gros, c'est Kashiro, mais au lieu de Ro, tu rotes. Voilà. Mais non. Bah, j'ai pas envie de la faire. Non, mais c'est bien de l'avoir expliqué, tu vois. Oui. Mais la faire, c'est moins bien, je crois. Ouais. On a perdu c'est personne ça, ouais. Sur le chat. Alors, ou... je te propose une coopération sur ce blague. Tu dis Kashi et je rote. Kashi. Non! Nous sommes très matures, comme vous pouvez le voir. Non, mais je coupe le son. Coupe le son de Discord pendant 3 secondes, le temps de votre connerie là. Ah bah salut à toi, bonsoir, The Dark Side Raph Rodeo. Non, et bienvenue sur le stream. T'as raté un moment exceptionnel. Non, mais. Ouais, très bien, non, mais ce sera fragile sur la rediff. La censure. Après, sur Twitch, je crois que tu peux revenir en arrière pendant un live. Non. Non ? Non. Ah, il y aura la rediff, il y aura la rediff. C'est sur YouTube. Ce média dépassé. YouTube. Où tu perds des abonnés quand tu fais un live. Oui, mais c'est pour ça que j'en fais plus. Regardez, mais on est là. Tu perds vraiment des abonnés quand tu fais un live. Ah oui. Ah oui, oui. C'était clair, hein. J'en pars des 20 à la journée, tu fais bon, bah d'accord. Comment ça se fait d'ailleurs, c'est bizarre. Bah parce que les gens sont intéressés par... par un certain type de contenu et vu les que... Les vidéos et pas par les lives et qu'ils en ont marre d'avoir des notifications. C'est ça. Donc autant, tu vois, tu fous tous tes lives sur Twitch, et tu fais toutes tes vidéos, voilà, sur... YouTube. C'est ça. Tag Tribune, il fait plus de live dans les jacuzzi. Bah oui, on m'a striké mes pubs. D'ailleurs, je crois qu'elle a arrêté, hein. Bah, elle s'est fait ban, non ? De faire... Non, je crois qu'elle est pas ban, mais elle arrête de faire non, du hot tub. Temporairement, une catégorie cas, pendant quelques jours, je crois. Ouais, ça me fait mal hein, de taper du clone, hein. Moi, non. Bah, on va peut-être avoir une chance de gagner en jouant séparatiste. Ah non, Coca, on perd déjà. Mais... Alors, il y a Lucas qui est pas très sympa avec toi, Speak, sur le chat. Et oh. Speak fait la même chose sur les droïdes, en fait. Elle doit pas voir la différence entre B1 et B2, quand même. Si, quand même. Le B2, il est gros et le B1, il est tout fin. Ah bah, c'est la même chose pour les phases 1 et phase 2, tu vois. Bah non, les clones sont là, la même taille. Tu m'impressionnes. Non, mais non. Le casque. Oui, le casque, oui. Il faut parler des droïdes B3 du Légende qui sont très bien aussi. Ils ressemblent à quoi, ceux-là ? Bah, en fait, c'est des B2, mais géants. Enfin, géants. Ouh la vache. Putain. J'ai envie de voir ça. C'est-à-dire qu'ils sont grands, les B2. Alors, ça me fait penser à l'Empire qui fait toujours plus gros. et le premier ordre, j'ai envie de te dire. Existons, ils sont. Ouais. C'est, je pars en sniper parce que je suis que doué là-dedans. Ils sont plus gros. Bah, ils sont deux fois plus gros que les... Ah ouais, ils font les 2400. C'est deux fois plus gros 2400 que 2400 mètres. Ouais. Oui, exact. Et comme... Oh... Comme mon ego. Comme ta maison.
Comme ta maison. Comme mon bâton de la mort. Oui, comme on allait dire autre chose. C'est un peu moins que le double YJ par contre. Il fait 1006. Un Star Destroyer impérial normal. C'est pas... Là, ça passe de 1006 à 2004. 2400, pardon. Ah, ça reste quand même... Oui, non, c'est plus gros, oui. Après, par contre, c'est pas quelque chose que tu remarques, je trouve. Oui, il y a un papillon. Dans le film, tu remarques pas qu'il soit plus gros. Ou un oiseau, je sais pas. Bah, un tout petit film, oiseau, un gros papillon. En même temps, ils ont fait ça pour reprendre le modèle de Rogue One, si je dis pas de bêtises. Vous parlez de quel Destroyer, déjà ? L'Existon, tu sais, celui avec les canons dans le 9. Les étoiles de la mort. Ah oui. Oh oui, non, bah ça se voit pas. Alors déjà que les Resurgent, ça se voit pas forcément qu'ils sont plus gros, parce que bah t'as pas d'échelle, donc... Oui. Ouais, moi je préfère les escabeaux. Quoi ? Speak, oh. Sur une échelle de 1 à 100, de 1 à 2, t'es drôle. De 3 à 50, tu me gonfles. Et non, je vais m'arrêter là. Et de 50 à 100, tu es ban. Lush. Écrit, a quitté le serveur. Oignon. De sa propre. Alors attends, volonté, en fait, sûr. Pourquoi ils n'ont pas fait des bombes nucléaires dans Star Wars ? Or, il y a des bombes nucléaires dans le Légende. C'est les Mandaloriens qui balancent des bombes nucléaires pendant les guerres. Et alors, c'est pour The Dark Side. Non, c'est pas. Ouais, bon. Non. C'est... Ah ! Ah, je me. Ah, j'ai fait une vidéo sur le sujet, j'ai pas envie d'en reparler là. La bête de Zilo. Oui, c'était avec la guerre avec les Jedi là, tout ça. Ouais, bah, surtout qu'en plus t'as de grosses dichotomies entre canon et légende, donc c'est pour ça. C'est pas faux. Bah, c'est. Légende que tu comprends pas. Qui est l'équivalent de. Légende, généralement, j'arrive pas sur deux continuités en même temps. Qui s'appelle pas bon. Dichotomie, c'est quand tu connais pas les mots que tu les cherches du coup. Non, c'est tout ce qui est la campagne. Ah. Alors The Dark Side, ouais, Raph Rodeo nous demande comment on va. Tommy. Bah moi ça va bien. On est vivant. Ça va. Très mal dormi cette nuit, mais assez bizarrement je suis pas très fatigué. Et toi, comment vas-tu, The Dark Side, Raph Rodeo, tiens. C'est gentil de poser la question, mais je te la retourne. La question ? La question. Ça va faire mal. Le truc que je trouve bizarre, c'est que quand on a un droïde, quand on s'approche du feu, on se fait mal quand même. Oui, speak. Ah, et tu fonds. Juste quelques flanèches, ça va. Mes circuits sont en surchauffant. Je sais pas pourquoi j'ai fait Mickey, mais... C'est Mickey, mais je sais pas, c'est trop peu. Tu m'aurais filé de la camelote. Et voici R2-D2. Un droïde astromécano. C'est 3P Mickey. Je suis M3PO. C'est 3 péons. Oh là là. Alors pour répondre à Lucas Prime, la place est déjà prise pas. C'est Nivelle qui me trucide de 1 à 100. De 1 à 100, je te tabasse. C'est déjà pris, c'est Nivelle qui me trucide. Tu nous as pas des sushis d'ailleurs ? En parlant. Il y avait pas une histoire de sushis, Speak ? Ah si. Les sushis avec Nivelle, sushis. Tu nous dois des sushis, je crois. Oui. C'est ça. Non, c'est pardon. Bah parce que la bouffe. Alors. Pas de raison. Pas de raison avec de la bouffe. Hein. Oh, on a fait 1%. Ouais, on est trop fort. On est les 1%. On est fort. On est fort. J'ai aidé à capturer. Voilà. Pourquoi on fait pas de pourcent, on a capturé là. Oui, mais attends, il faut capturer en majorité pour faire du pourcent. Ah, on capturait 3. En fait, j'avais jamais compris comment ça marchait. Ah, voilà. Oh. Non mais attends, on fait appel. Non, attendez, replacez ça dans le contexte. On est en face de quelqu'un qui ne savait pas ce que c'était la différence entre clone phase 1 et phase 2. Donc déjà par temps de ça. Ça fait quand même plusieurs années que tu joues au jeu. La tribune de Coruscant. C'est pas la première fois qu'on fait ce mode de jeu. Non. À la limite les armures, enfin bon, compréhensible. À la limite. J'ai peut-être oublié, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Mais fais un effort. Ça fait 2 semaines quoi, je crois, la dernière fois qu'on a joué. Avant les chroniques du triple XP, ça fait des années que j'avais pas joué. Non, on a joué la semaine dernière. Non, mais avant qu'on fasse le triple XP. Ah non, c'était pas là.
Je sais plus. Ok, j'ai eu Obi-Wan, ça c'est fait. On est en train de perdre, c'est. Salut Dex. J'ai pris le Dragibus, attends. Quoi? Quoi? Ouais, pas oublié comme ça depuis que je prospectais. Subterrel, la bordure extérieure. On est en train de reperdre A qu'on était en train de gagner. Non, Lucas Prime, t'inquiète pas, c'est pas si grave. Survivre en Grievous, ce qui est un exploit. Attends, je vais chercher une autre connerie. Alors. Non. Donc quoi, il y a des trucs au-delà de la bordure extérieure. Bah Camino déjà, j'ai envie de te dire. Et au-delà de la bordure extérieure, c'est l'espace sauvage. Aussi. Il y a les régions inconnues. Alors les régions inconnues, c'est à l'ouest galactique, mais l'espace sauvage, c'est tout le reste au-delà de la bordure extérieure, sur tout l'est. Et là-bas, Drisha, il y a quelque chose dedans ou pas? Quoi? Une espèce de truc. Alors le dédale de Rishi, c'est une galaxie, c'est une micro-galaxie qui est autour de la galaxie principale. Et du coup, est-ce qu'on a des infos dessus ou pas? Bah Camino, quoi. C'est par rapport à Lionel. Lionel Richie, ouais. Hello. Is it me c'est you're pas looking les fruits, for? Sinon, non. Les Richie. Là, les... ah oui, les Richie. Ouais. Les Richie. Voilà, ça marche. Ah, mais par contre, c'est vrai que par exemple, si tu te souviens du film The Clone Wars, Speak. Oui. Quand ils vont chercher. Ça demande beaucoup là. Quand... Alors, t'as vu Star Wars, Speak, c'est bon. Donc. Moi non. sur la planète Teth, où ils vont chercher Rota. Le fils de Jabba. Rotten ? Ouais. Speak ? Oui, pardon, excusez-moi, j'étais en train de régler une affaire. Voilà, je suis de retour. Tu l'as perdu dans ses pensées là. Attends, Rota. Non, on venait de me demander un truc, c'est pour ça. Tu vois qui c'est Rota le Hutt ? C'est un. La planète où ils vont chercher le petit. Mais chut ! Le ver solitaire. Allez, roule ma boule. Ah toi t'es en train de... D'accord, bon bah très bien, j'arrête d'expliquer. L'autre elle roule sur la plage. Ouais. Je m'amuse beaucoup, je vous jure. Tu es un parfait point de spawn, merci. De rien. Par contre je me suis fait déglinguer, du coup je vais m'en aller. Non mais laissez-moi tranquille s'il vous plaît. Tu es ridicule, Speak. T'es censé attaquer en fait, techniquement. Ça. Oui, je me suis attaqué, je suis plus qu'à 55 points de vie à l'aide. Elle est dans Fast and Furious. Comme dit Lucas Prime, c'est quoi déjà Star Wars? Bonne question. C'est pas un comique. Non, je crois que c'est un dessin animé. Non, il a été Redcon YG. Ah oui, c'est vrai. Star Wars, c'est pas un film avec Brie Larson. Il y a pas une histoire de capitaine dedans aussi. Ouais. Ah, mais c'est avec Star-Lord là, non? Ouais, je trouve que c'est un truc du genre. Les là, Asgardiens de la galaxie là. Non, c'est ouais. Sur la planète avec les mecs en bleu là. Les Schtroumpfs. Ah oui, avec. Les Schtroumpfs indiens. Bah, c'est ça, à moitié à poil. Oh, bah, tout de suite. Oh, voilà. Là, les jeunes de nos jours. Ça se dévergonde. Roulez jeunesse. On a eu de bons exemples aussi. Hein. D'ailleurs, ça, il y aura un avatar entre chaque Star Wars quand même quand ils pensent. Donc à chaque fin d'année... C'est toujours Mathieu les sorties d'Avatar entre les Star Wars? Il me semble, non? Parce que c'est le cas avant Covid, mais... C'est pas des siècles qu'on l'attend. Je sais plus si c'est toujours d'actualité. Il me semble que oui, bon, je sais pas, je vais vérifier. Toi. Mais les acteurs, ils vont être hyper vieux maintenant. Non. Et regarde le film Kaamelott, hein, c'est bon. Non mais c'est la Kaamelott, ça. Le film Kaamelott se passe 10 ans après la série, justement. Bah si ça se trouve... Ils ont fait comme Star Wars, ils ont fait à peu près... Oui, et il y a un jeu Avatar développé par Ubisoft qui va sortir, ouais. Ouais, il y a des trailers qui sont sortis. Il est très joli en plus. Alors, c'est joli, mais globalement, oui. ce qu'on nous dit, c'est que le scénario, c'est exactement le même que le film. Hein. Mm. Vraiment, alors, tu joues un autre personnage, et les méchants, ce sont d'autres personnages, mais le scénario, c'est le même. En fait, c'est... comment il s'appelait le jeu Matrix, là, Teach? Enter the Matrix, c'est ça en fait. C'est le film, mais c'est Neo, mais c'est pas Neo en fait. Si je me souviens bien, le scénario du jeu, c'est à peu près ça, non? Tu refais à peu près les trucs que dans le film, mais c'est ah pas oui, dans. C'est... Mais t'es pas Neo. Il en parle, c'est sur le film, mais avec des personnages différents. Je pense à Enter the Matrix. Où tu joues Niobe, non?
Oui, ouais, c'est ça. Oui, non, parce qu'il y en a plusieurs de jeux. Il y a... Si tu joues Neo, c'est Path of... Neo, ouais, qui a été fait après, ouais. Ouais, et Enter the Matrix, c'est ça, c'est avec Niobe et Ghost. Mais ça reprend la trame du film, non, on est d'accord, du 2 et 3. Oui, en fait, on fait les mêmes choses que Neo, mais juste après lui, quoi. Non, non, c'est vraiment le, ce que font Niobe et Ghost pendant les films. Donc c'est pas genre... Tu passes pas derrière Neo. Alors, tu fais le... T'as un niveau qui est sur l'autoroute. J'ai déjà grossement exagéré. Oui, je me doute, mais... Mais il y a un peu ce côté-là, on revoit pas mal de trucs des films, en fait. Ouais. Et genre... Tu peux avoir une... Une cinématique, enfin, alors du coup, non, c'est parce qu'ils avaient vraiment filmé, mais où t'as Niobe qui embrasse la meuf du mérovingien. Ah, Bellucci. Eh oui. Comme dans le. Comme dans Spectre. Le mérovingien, c'est Cassel. Non, c'est pas Cassel, non, c'est pas. C'est Lambert Wilson. Aussi le. Je plus que c'est ce personnage. C'est dans le 2, non, le mérovingien, je crois, non? Dans le 2 et 3. Et il est dans le 3? Je m'en rappelle plus. Ouais, un peu au début. 2 et 3. Alors, est-ce qu'il y avait des superstar destroyers pour la République chez les clones? Dans le Légende, il y a 2-3 trucs qu'on sait. On n'a pas de visuel officiel, mais je pense au Mandator. Croiseur Mandator. Parce que c'est un truc mais qui est adoré par les modders sur Empire at War et les trucs comme ça, alors qu'en fait, il n'y a aucun modèle officiel. Mais ouais, les mandators, je crois qu'il y a 2 modèles. D'ailleurs, un nom qui est revenu dans le canon, puisque le... Ah, mais ça, c'est le Mandator 4. Ouais, le Mandator 4. Ça bah, dans l'épisode 8, hein. C'est celui avec le gros canon et qui est commandé par le capitaine Kanadi. Ah, ben... Celui où on voit les plans dans la fin de Battlefront 2, là. C'est ça. Exact. Le mandat c'est genre Captain. Enfin, Kathleen. Kathleen Kennedy. Non, c'est Modène déjà. Modène Kennedy. Ah, attends, Mandator. Passe. Ouais, bah le Mandator. Oh, on a encore gagné. C'était un vaisseau de la République Galactique dans le Légende qui faisait 8 km de long. Et le Mandator 2, pareil. Et pareil aussi du coup, Barak. Oh, il y a Grogu. Non, non. Grogu, Grogu. Il y a Groglouton. Ne me parle pas de cet épisode, s'il te plaît. C'est de douloureux souvenirs, je sais. Est-ce qu'on se lancerait pas sur du Liwok, tiens? Ouais, parce que... On se faire ramasser comme ça à chaque fois. J'en ai marre là. Ouais. Non mais je sais pas ce qu'il y a mais on tombe sur des parties. C'est parce que d'habitude on fait de la coop avant et donc on peut gagner un peu. C'est mauvais ouais. Après en général tu gagnes assez rarement en Ewok Tribune. Ouais mais au moins c'est rigolo. Après j'ai réussi à monter 280 avec mes classes de base donc ça va. Mais je suis en train de penser, c'est un peu con, parce que le stream s'appelle Les Chroniques du Triple XP. Oui. Et on part en Ewok, le seul mode où on ne peut pas profiter du Triple XP. Oui, mais bon, c'est le mode pas, de fin, c'est, on finit sur une grave, connerie. C'est pas très important, c'est pour finir, c'est pour clôturer. Non, mais je suis pas du tout contre ça, c'est moi qui de base ai proposé la chasse Ewok. En plus. Pas de soucis là-dessus. C'est qui menait les autres dans des pièges déjà? C'est qui? Alors bon, c'est Teach, je crois, qui faisait ça, non? Ah non, c'est pas vrai. Mais non, c'est toi! Ah, c'était Tribune. Mais oui, bah oui. Je suis bugué. Ah, ça y est. Barek, je te vois d'ailleurs, descends. Je suis bugué. Je vais t'attaquer en justice, toi. Merde, je suis bloqué dans les plantes, c'est bon. Barek, il est encore dans son arbre. Non, mais c'est pas sur cette map. Ah, Niwok déjà, putain de merde. Ah oui, c'est bon, un kill, un kill. Parti. J'ai tué 220909993199. Trop long. C'est le droïde Asie machin. C'est ça, ce que j'allais dire, c'est comme Asie. Est-ce que l'un de nous est un Ewok? Non. Oui, non. Regarde le score. Je suis bien. J'ai voulu faire une feinte.
J'ai voulu faire une fin pour que Spik se prenne le piège et je me suis pris. Ça s'appelle le karma. Bien fait. C'est mérité. Oh, j'ai failli prendre un... aussi, d'accord. J'ai évité un piège. Je juste... à la place, en fait. C'est la même, j'avais un piège juste à côté là. En fait, il y a deux, il y a un plus de Barek et un autre gars qui s'est pris un piège qui était juste devant moi. Je me le serais payé s'il l'avait pas fait. Il y a un mec, il est AFK là. Et il tombe Barek. Tiens, Teach, vas-y, suis-moi. J'ai un truc à te montrer. Non, mais ça. Ah bah salut à Tom Trooper qui dit salut la voilà. Tribune et salut à tous, pas le temps de rester ce soir, bon live et bonne partie, bah merci beaucoup à toi. Oh, et bonne soirée. C'est sympa, très sympathique ta part d'être passé. Oh un piège. Ouais merci gros. Artich en descendenton. Greg. Oui. Oh mec il va partir dans les graves. Est-ce qu'il explique ? Non, non, c'est, je parlais à Y. J'avais trouvé un truc intéressant que tu pourrais aller voir. Dommage. Oui, bah, j'ai essayé de le déclencher sans prendre de dégâts, mais je me suis quand même pris des dégâts. Est-ce que tu connais les flammes de Dawn ? c'est quand il fait froid, c'est ça ? Et heureusement que ça n'a pas fait de dégâts. C'est pour se réchauffer. Ouais, ouais. C'est ça. Oh ! Bon, petite chaleur d'ambiance. C'est l'autre jour, j'étais sur une terrasse d'un café, il passait de la musique, et tout d'un coup, je bug, et ils avaient mis la musique du Mandalorian. Oh, nice. Ils ont bon goût. Là, j'étais genre le seul à la terrasse. Ça va, le chat, donc vous cassez pas les oreilles. Là-bas. Alors, Lucas Prime, il a posé une question qui est orientée vers toi, Speak. Ah bon? Attends, j'ai pas le temps de lire. On parle de gameplay? Non, non, de manger. Vous mangez à quelle heure d'habitude? Quand je mange, quand j'ai faim, c'est-à-dire très souvent. En fait, Speakrin, c'est Karadoc. Elle bouffe toutes les 2 heures. Oui, mais rapidement, donc ça va. Mais généralement, je mange à 19h, puis je remange à 21h. C'est un hobbit, quoi. Et qu'en est-il du second petit déjeuner? Je me suis fait eu. Je vais vous boomer maintenant. I kill this tree. What? Je suis toute seule dans une grotte. The hell. J'aurais peut-être pas dû le dire. Oui. Mon dieu, non. YJ s'est fait éliminer. Oui. Il y a un niveau qui a essayé de me buter. Je l'ai buté à sa... Je suis perdu. J'ai touché un niveau. Oh, des gens. Des gens que je connais. Oh, Wisties. On nous balance des Smarties. C'est ça. Ah, putain de merde. Ah non, je suis décédé. Allez, Smarties. Bon ben, Y, je vais te rejoindre, on va aller défoncer. Oui, on va vous tuer. Vous allez mourir. Non. J'adore dans ces e-books qu'on peut sauter. Avec les e-books, on peut littéralement se suicider. Hop là, on peut mourir. No fall damage. Yeah. Bon, ils sont par où les proies là? Est-ce que vous pourriez nous indiquer votre position s'il vous plaît? À côté du TBTT. Putain, vous êtes à le bout de la map. Bah, bouge-toi aussi, hein, si t'as envie de nous tuer. Je viens d'arriver. Moi, je suis tout seul. Hein. Où ça? Dans la forêt, sur Endor. Ah, ouais. Je crois que je te vois. T'es pas poursuivi par un niveau? Je sais pas, hein. Je regarde ça. Ah oui, j'en entends un qui vient de barrer. Si, c'est sur moi. Yes, je suis. Je brûle. Non, je ne brûlerai pas. Ils ont l'air malins, les quatre, là. Ça, c'est pas les miens. Je jure, c'est pas les miens. Ah. Tu meurs. Et là, j'ai plus de vie. J'ai plus de dash. Et il y a encore un autre. Ah non, 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 non. YJ, tu m'as eu. Tu m'as eu. Salaud. Je suis barré en tribune. Coucou, Barek. Comment les emotes déjà? Non, ah oui, c'est... 3, F2. Bon, bah, viens, allez, viens, on va tuer des gens. Tribune, je l'ai vu, hein. Ah bon? Où ça? Oh. Non, il m'a tiré dessus. Ouais. Non mais ils sont vers le TBT normalement. Ah non, Coco ils doivent être. Allez chef. Oh merde. Y'a plus que Teach. Allez, on tue Teach. Non.
Merde. Si. Au moins, on aura une victoire. Quelque part. Ouais, c'est ça, le but c'est d'avoir le lecteur, donc maintenant faut absolument la tuer. I know you want it. Parce que là, si il survit, c'est pas possible. Oui, si. Il faut tous les buter, ils sont 7. Nice. Merde, la navette est arrivée, vite. Bon, j'en ai tué un. Je suis sur le truc. On est presque. Non, j'ai perdu. Il y en a un qui est monté. Non. Non. Elle est sérieuse. Il y en a un qui est monté. Non. J'étais en train de tuer un. J'en ai eu un à noter. Ouais, c'était moi. Bien joué. Oh, je t'ai eu, yes. Ah, il est un peu le seum là, j'ai l'impression. J'ai le sel, wesh. C'était ma victoire de la journée. On a peut-être perdu. Tu peux éviter de parler comme un collégien, s'il te plaît. Tu sais qu'on en fréquente. J'ai trop le seum de ouf, wesh. Est-ce que tu aurais marre des collégiens? On en côtoie bien trop, c'est bon. Ça dépend lesquels. Allez, on recommence et cette fois on gagne. Ah shit, here we go again. First time. Et du coup, tu t'es pas encore mis de mode, Tribune? Non. Faut mettre le mode des proutes? Oui. Non. Ah, on est encore sur Endor? Si. Non, j'aimerais bien mettre des modes de skin. Ah oui, j'en ai beaucoup à te conseiller qui sont franchement sympas. J'avais mis pendant un temps, là, j'avais testé, je l'ai enlevé depuis là, mais j'avais mis le repaint, tu sais, enfin le de Boba Fett. Oh, oh regardez qui c'est, Ewok. C'est qui? Oh non. Un match d'anthologie. C'est la première fois que je suis Ewok de départ. Moi, ça m'avait déjà arrivé, mais c'est hyper rare. Ouais, j'ai mangé trop pas, je suis calé sale. Y, sayonara, il y en a un de team qui devra perdre. Non, t'inquiète pas. En fait, Y, il est gentil, il va tous nous suivre pour qu'on puisse gagner en Ewok. Je sais pas si on peut vraiment appeler ça gentil, mais... Qu'est-ce qu'il a le mec au milieu là? Oui. Hop, voilà. Oh. Ah, j'ai plus de lampe, je vois plus rien. J'en ai eu deux déjà. J'ai perdu les escaliers. Je vais pouvoir aller sur mon tronc. J'en ai eu deux. Comme Jacques. Et moi, je vais te fumer si t'approches. Ah, j'ai failli l'avoir le salaud. Salaud, Philippe! Pardon, j'étais un réflexe. Philippe, je me te cache! Viens ici que je te... Ah, que... C'est toi qui m'as eu, merde. Je t'avais prévenu en plus. Je te raconte une histoire. Elle m'a eu. J'ai eu un coup de tatane dans la gueule. Ah mais j'ai quand même pas mal amoché, hein. Ouais, c'est ça. Ouais, hein. On devrait. Est-ce qu'il y a des gens dans le coin? Parce que je suis toute seule, je suis perdue. Alors dans la forêt, normalement, il y en a. Ouais. Wow. Mais moi, je vais les goumer. Ah, y'a des gens là-haut, coucou! Yep. Il est AFK lui ou quoi? Ah oui. J'ai réussi à le tuer, c'est qu'il était AFK. Oui. Oui. Clairement. Ça c'est pas assez mal. À l'aide! Non mais il y en a que ça va pas bien. Hein. Il parle comme Jar Jar, c'est quoi son problème? Oh non! Oh trop bien, j'adore tes vidéos. Missa une big doudou this time. Hop, j'en ai eu un. Mais on se met à parler comme ça dans le chat. Oh non. It is you, ça problème. À Missa voit plus rien. Tu as problème avec Lisa. Ce qui est drôle, c'est que dans la version japonaise de Star Wars, ils disent pas, ils rajoutent pas ça à la fin. En fait, ils disent you et mi par exemple. Ah bon? Ouais. Ça fait miu miu. Ah, comme, non, comme le marteau de Thor. Mjolnir. Ah oui. Non, c'est miu miu. Ah, j'ai trouvé une. Vous avez besoin d'aide, les gars? Je vois des gens qui tirent là-bas.
Misa, aimez-toi. Oh. Obi-Wan Yohomi qui m'explose depuis tout à l'heure. Obi-Wan et Robi, quoi? Obi-Wan Yohomi. Ah, ça, ne nous regarde pas. Et Aerobi? Oui. Aérobic. Lol. Oh non, pas l'aérobic. En vrai, quand on joue sans trooper sur ce mode de jeu, il faudrait trop augmenter les gammas pour voir beaucoup plus clair. Les gammas comme Hulk? Non, c'est pas ça que je sais plus comment ça s'appelle le réglage. Y, je suis sûr que c'est toi. Y, attends, on y a deux. Attends, je t'attrape. Je t'ai attrapé. Yes! Ah, ouais. Je suis décédé, mais je l'ai eu. Je l'ai eu. Ouais, elle m'a eu. J'ai eu Y, vendé. Mais j'ai pas eu tribune. Ouais, on t'a eu. C'était un effort collectif. Ils ont eu speaker, enfin, mais il a mis le coup de grâce. Ça parce que tu t'étais fait défoncer, surtout. Non, mais t'inquiète, il a juste mis le coup de grâce. Putain, comme c'est affreux. Eh, c'est salé, hein, le chat. Hein. Non, c'est sucré. Arrête, arrête. Non, vous mourrez pas. Petit m'épuis. Oh bah non, oh bah non. Oh non, mais Barek, non. Quel aveu. Ça, c'est pas moi, j'ai dit. Ah. Ah mais j'en ai eu un quand même. Il est pour la tribune. Ah, elle est pour la tribune. Ah si, j'ai un truc là-bas. Du coup là. Merde, j'ai lancé mes bidules dans le mauvais sens. Les Wisties, un non peu mais j'avoue, Lucas Prime il demande en fait pourquoi les troopers crament pas toute la forêt. J'avoue, napalm. C'est très efficace. America, fuck yeah. C'est ça. Empire, fuck yeah. Ah, tu fais un bombardement orbital là. Brrr. T'en fous quoi. Ici, sur Taris, orbital, incoming. Mais après tu dis comme tes propres troupes. Oh bah c'est l'Empire. Ouais, c'est l'Empire, on s'en tape. Vous avez pas assez de budget, c'est pour ça. Plus cher, mec. C'est Krennic, lui, il y pense encore. A pie has been destroyed? What? Oh non, je suis bugué! Encore. C'est triste. Ah, on s'en doutait, mais... Mais tais-toi! Alors, c'est pas une justification pour ton peu... Enfin, mais je suis bloqué avec un autre Ewok dans un buisson, c'est dégueulasse! Non, c'est juste que tu es mauvaise. Ouais, mais non et tu peux faire respawn en Ewok? Je sais qu'en Stormtrooper, tu peux pas, mais... Ah oui, respawn. Ok, c'est bon. Bah, tu peux en Ewok. Voilà. Et je parle pas du studio de développement. Non. Ah, encore. Ils ont quand même réussi à caser leur nom une tonne de fois dans leur propre jeu. Oui. Je parle de Fallen Order, c'est génial. Oui, à chaque fois que tu reviens sur le... Non. Puis il y a écrit respawn. C'est les crédits les plus longs de l'histoire du jeu vidéo. Bon, les crédits de jeu ont toujours été longs. Pas des gros jeux comme ça. Les publicains. Ah 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 ah. Mais on peut le faire. Bref, c'est une victoire que je vois arriver là. Une victoire. Ah. Allez, il en reste plus qu'un. Obi. Obi-Wan, oh, you're me. Ce seul ennemi. Je vais crever, Obi-Wan. Non. C'est sa flemme sur moi. Je m'approche de lui. Yes. Ouais, on a gagné. Yes. Il a pas eu le temps d'arriver. Je suis fier, j'ai éliminé deux fois Y et une fois le top 1, c'est merveilleux. Ouais, ouais. Non, mais je te retiens. Hein. Oula, c'est bizarre, ça. Oh, le top 3 est tenu par notre équipe. Palapa. Ouais, notre première victoire. Ouais. Est-ce que vous êtes chaud pour une dernière? Ouais, une dernière. Je pense qu'il faut pas rester sur une victoire. Faut finir sur une défaite, sinon c'est pas, ouais. Ça sert à rien. Quoi. Merde. Une bonne grosse défaite bien sale, genre à 0 de score. C'est parfait. Avec deux Ewoks à la fin. C'est une partie avec non. Moi, quoi. Pire. Si les deux Ewoks sont nous, tu quittes. Comme ça, au moins, la partie, tout le monde a 0 points. Ah bah là, tout le monde est avec nous. Donc, ah non, on a Sea of Thieves qui nous a rejoint.
Fais la promo de jeux vidéo. On est tous troopers. Ah, oh. Ah. This was the fun begins. Y déçu de ne pas pouvoir nous traquer jusqu'au dernier. Tu pourras pas m'attirer dans des pièges. Ah merde, mais j'ai pas cassé ça. Pas cette fois. Par contre, Barik, si tu veux te prendre les pièges à ma place, tu as le droit, c'est... Bah, c'est ça va être compliqué pour que je me prenne les pièges, là. Je suis trop petit. D'ailleurs, en parlant de pièges, j'ai failli tomber dans un. Allez, ça... Mais, hé, hey, Y, quoi. C'est marrant, attends, je suis dans l'équipe adverse. Je suis littéralement dans l'équipe adverse, évidemment que je dis tant mieux. Ah oui, j'ai oublié, pardon. Mais non, t'es un... Mais non, c'est un Ewok. Ah oui, c'est un Ewok, mais je croyais qu'il était... Je l'avais vu dans... Tu sais faire la différence entre un Stormtrooper et un Ewok, Speak. Oui, quand même, mais... Ça dépend s'ils sont en phase 1 ou phase 2. Non, mais c'est que en fait, j'ai cru que j'avais appuyé sur Tab dès le début, en fait, il y avait tout le monde dans la même équipe. Mais non, parce qu'ils sélectionnent les Ewoks après. Ah. Non, mais je regarde jamais, d'habitude. Oh, bah, fais un effort. Mais elle découvre le jeu, là. Laisse-moi que t'as des jeux fonctionnels. Ce n'est pas mon cas. Oh! Allez, y avait un merci beaucoup pour ton abonnement, Lucas Prime. 75 800. Ça fait 2 mois. 92, 32. Mais non, mais arrête, ça s'arrête à 60. Non, mais c'est 75 800. Voilà. Je suis pas une talent. Non. Ça gagne 4 talents. Merci beaucoup. C'est super gentil de ta part. Je ne suis pas une petite allumeuse. Ah Camoulox. Je crois que je vais vous rejoindre. Ah non, c'est bon. Tu ne sais pas ce que veut dire Camoulox? Non, quelqu'un peut m'expliquer. Cacamoulox. Bien joué, Gilles. Double kill. Il est tout prêt. Ah non. J'ai fait un double kill. Ah bah zut, on a perdu Speakrin. Oh bah ça, c'est alors la première que je suis. Salaud. Comme par hasard, c'est toi. Ah là là. Non, elle va venir pour moi. Je vais me venger, mais pas sur toi parce que je peux pas du coup. Je vais me venger sur les autres de l'équipe, même s'ils n'ont rien fait. Oh Teach, non. Non. Non, on se fait attaquer. Oui, vous faites attaquer. Where? C'est le principe. Ils sont tout prêts. Ah c'est bah ça, j'ai compris. Une chasse d'une traque. Ça se voit bien. On bute la proie. Wow. Yes. Ah ah. Merde. Tiens, prends ça dans ta tronche là, espèce de gros poilu là. Je voulais j'en ai buté un, mais c'était pas l'un d'entre eux. Non, espèce de petit poilu là. Je suis bloqué dans les cailloux avec un Ewok. C'est pas possible. Je t'ai suivi. Qu'est-ce que tu fais? Mais je suis bloqué. Là, je suis bloqué avec toi maintenant. Ah non, c'est bon, moi je sors. Mais je peux pas sauter, j'ai peur à faire. Ça fait respawn, patate. Mais non, mais je... Bon bah je reviens le mois prochain pour renouveler la banque. Je peux rien faire pour toi. Ah merci beaucoup hein, Lucas Prime, c'est super gentil. Je peux rester coincé avec toi en plus. Mais toi Speakrin, toi tu peux faire respawn aussi. Ah non mais moi je suis pas coincé, je suis sorti. Non mais on s'en fout, fais respawn. Ouais mais c'est marrant, tu vas mourir. Mais non, ça, pour rien. T'inquiète. Speak, fais respawn. Ah, Speak. Enfin nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons. Je dois tuer mon frère Akashic. Oula, je vais t'étouer. Toi, tu es raciste un peu, tu confonds les espèces poilues quoi. Je t'ai croisé à Akashic. Non, je suis un Ewok moi en fait. Je suis pas un Wookie. C'est très politiquement incorrect, je trouve. You speak Jawa like a Wookie. Ah oui. Allez, Eagold, t'es mort. Allez, on gagne encore, hein. Allez, tiens, YJ. Et Speak, tu me prends encore. Mais c'est pas possible. C'est parce que je t'ai tué la dernière fois, c'est ça. Très bien, je t'ai sauvé la vie. Ouais, je crois bien, ouais, j'ai vu ça. Bon, je vais me venger, moi. Comment tu vas me dire merci? T'attends pour la vengeance. T'attends pour la vengeance. La vengeance. Je crois que j'ai 3 NFK. Moi aussi. Ah, et effectivement, j'ai tué un FK. Le ring. J'en ai tué un également. Non. Bon bah voilà, écoute hein. Non. Est mort. Non mais les 3 derniers ils sont partis d'un coup. Encore une victoire.
Non, ça va pas, là. Carré de 5. Du coup, on peut pas rester sur une victoire. Sur une défaite. Bah, non, sur une victoire, du coup. Non, on peut... non, quand même pas. Oh, j'ai envie de pioncer un peu. Du coup, on s'arrête là. Que vous voulez La Swan. Qui veut? Moi, je veux bien une dernière. Allez. Bah, c'est bon. Allez, la 50e. L'unanimité. Le peuple a voté. Hugues. Oh, vous avez vu hier le tweet, au son je l'ai mis sur le serveur, mais vous avez vu le tweet de Star Wars? Oui. Si c'était en anglais, oui, je l'ai vu, non, je l'ai pas compris. Ah, pour... c'est le moment de se replonger dans Fallen Order, c'est ça? Ouais, mais c'est simplement un... Oh, je suis encore Ewok. Ah, c'est avec l'espèce de grosse chauve-souris, là. Oui, voilà. non, mais c'est un arnaque avec la chauve-souris. C'est un gars qui a dit, ouais, enfin, je suis super content de me replonger dans Fallen Order et tout ça, parce que probablement qu'il doit refaire Let's Play, un truc dans le genre. Et il y a Star Wars qui a répondu au tweet en mettant entre guillemets « Oui, c'est bien de se replonger dans Fallen Order. Mm-hmm. » Ça annonce quelque chose. Une suite, peut-être. En Lucas. Ils ont sorti la mise à jour PS5, non, il n'y a pas longtemps, je crois. Ouais. Il y a quelques semaines, ouais. Déjà. Ouais. Attends, Lucas Prime qui dit... Moi, ça fait un moment. Moi, j'ai fini le brevet, je suis content. Comment ça s'est passé, tiens, d'ailleurs, Lucas Prime? Premier examen important de la scolarité. J'ai bougé un truc. On a du brevet? Ouais. Ouais? Ah non, mais c'est pas important, le brevet. Oh, c'est rigolé. Oui. Bah, oh, le brevet, on y va au talent. Non. C'est la poste. C'est ce que j'ai fait, j'ai eu assez bien. Alors, c'est très bien son taf. C'est utile pour comprendre ce que c'est une épreuve. Oui, c'est ça, c'est formateur pour, ouais. Voilà, pour faire un examen. La seule épreuve que j'ai passée, merci le Covid, c'est le bac de français. Ouais. Ouais, bah pareil, hein, le bac de français, salut! Moi j'aurais bien envie de le voir venir quand même, hein, le Fallen Order 2. Hein. Ouais, parce que pareil, attends, parce que... vu la fin après, de Fallen Order. Par contre, si jamais il vient, je veux retourner sur Zepho. Je veux retourner sur Zepho. Non, Zepho, c'est une nécessité. Comme ça, je pourrais faire plein de jeux de mots, moi. Après, ça n'a pas forcément un rapport avec Fallen Order, mais un truc que j'aimerais beaucoup retrouver dans Star Wars, c'est justement les Zepho. Parce qu'on les voit vraiment que dans Call of Fallen Order, parce que même le comics qui est sorti sur Enon Cordova, c'est pas sur les Zepho. C'est pas faux. Ouais. Et j'aimerais bien qu'ils soient développés en dehors de... Mais surtout que tu sais que ça fait un peu comme... attaché à d'autres choses. Comme les Rakata, c'est dans le légende limite. Je connais trop les Rakata. Mais tu sais, c'est genre l'ancienne espèce un peu mystique, ils ont disparu, oui. Tu vois, enfin... Ce genre de truc, quoi. Ils sont un peu implantés partout. C'est ça. Ils ont fait des beaux. Puis ils ont des liens, ils ont un lien avec la Force, les Zepho, en plus. Ouais, bien sûr. Donc, il y a eu sage passage coup de jet. Oh shit. Il y avait le sage sur Datomir qui était très côté obscur aussi. Oui. Coup de jet, du coup. Avec son tombeau là. Je peux pas rappeler les noms. Il y a Elram, Mithril et coup de jet. Et courgette. Mithril. Courgette, mais je l'ai faite tout à l'heure. Mithril, dont le tombeau est une purge. Oui, c'est lequel lui? C'est le deuxième. Mais il était gentil, je suis sûr. Non. Et il rame, c'est celui le premier, donc celui qui est sur simple Zepho. Avec une musique bien. Celui qui avait des rames et des pagaies, oui. Alors attends, j'ai failli avoir 10 minutes de retard dès le premier jour. Bravo. Commence bien. Mais sinon, ça s'est bien passé. Bon, ça va. Après, t'as dit j'ai failli. Oh le salaud! Ah oui, on s'est entretué! Ah, oh, ça c'était beau! Allez, je te rejoins! Allez, go! C'est bon, bah, si ça s'est bien passé, en tout cas, Lucas Prime, tant mieux! C'est moi ou toute l'équipe est passée en Ewok? Sauf moi? Non, moi j'ai fait l'épreuve de maths. Pas du tout. Plus d'une heure. Venez me rejoindre, je me sens seul! Ah non, y'a Teach là, coucou! Et moi aussi! Si y'a Spitrine, moi je m'en vais! Reviens! Reste avec moi! Bah tu risques de mourir si tu restes avec elle. Elle me court après. Pour mourir. Chat, c'est toi, c'est toi le loup. Oh, y'en a un là. Où ça? Ah oh, non mais t'es pas avec nous. Speak, tu m'as ébloui. Je sais, je suis éblouissante. Sans être une lumière, c'est ça qui est ouf. T'es méchant. Non, mais je suis désolé. Ouais, non, je. En plus, c'est pas vrai, tu vois.
Tu t'es pas fait tuer du premier coup, toi, d'ailleurs. C'est pas gentil de mentir comme ça. Non, c'est diffamatoire. Je retire. Diffamatoire. Dans le question. Ah, tu m'as retiré les mots. Bitteschön. Voilà, c'est tout. Ça fait trois mots d'allemand que je connais avec tchus et... Il a... Arbeit. Ah si, Kampf, je connais. Ça veut dire combat. Non mais ça c'est une blague, de JDG en plus. J'ai vu un niveau que je me suis dit mais quoi, il a bugué lui, en fait non. Der Kampf. Mais juste en plein milieu du chemin. Inch'Allah il me voit pas. En fait, Marek, aïe. Oh, je il y a eu une grosse boule en plein milieu du chemin totalement découvert. Ce que je faisais depuis tout à l'heure, c'est que je marchais sur le côté, je me mettais accroupi, tu tournais le regard, je m'avançais, je me mettais accroupi. En fait, c'est un deux. Je me suis mis accroupi en plein milieu du chemin. Qui sont les neuf qui restent, non? Exactement. Bon, on est tous ensemble quasiment. Tel Joseph. Il n'y a plus que Titch et. On est dans toute la forêt, faut nous chercher. On est absolument pas au barrage. Chut, t'es beau, Barak. Comment tu fais ça? C'est F2, F3. F3, c'est mon raccourci. Alors, si on meurt tous, c'est ta faute. C'est mon raccourci pour l'intro du jeu. Même. Attends, t'as. Non, c'est bah, tout va bien, t'inquiète. J'ai cassé le stream. Sur le stream. T'as voilà. Activé la caméra, oh là là. Non, j'ai pas activé la cam. Non, là, pour honnêtement, tu attends, sais quoi en plus. Le stream pour savoir où ils sont, c'est j'ai un écran. J'ai un écran, enfin j'ai un, oui, une scène pour la cam, mais sauf que là je l'ai bouché la cam au cas où, en cas de dysfonctionnement. Non, fait non, moi je pense que j'aurais carrément dégagé la scène avec la cam. Moi j'aurais déjà dégagé la cam. Oh putain, ils sont parlant de cam, va falloir que je tourne bientôt. D'ailleurs, tribune. Parlant de cam, faut que j'aille voir mon fournisseur, quoi. Mais. Quoi oh. Non, mais attends, mais ça va. La. Dernière fois, tu me parlais de filmer avec un casque et tout ça, mais je t'ai dit que bon, faut déjà que je me prenne un micro cravate, mais surtout, faudrait que je me prenne une cam. Ah oui, pour filmer, c'est mieux. Ouais. J'en connais un qui rend D'aucuns s'accordent à dire quand même que oui, c'est assez intéressant. La caméra est une méthode efficace pour filmer. Mm-hmm. No shit. Que tu veux, main. Ah, mais ils sont là-haut les autres là. Non, c'est pas vrai. Non. Ils vont dans les broussailles. Je suis caché. Non, t'es pas caché. Ah, j'ai tué le même qu'à la partie d'avant, Eagle. Il était très nul aux deux parties. Je suis caché, t'inquiète. Tu me vois pas. Hop, je suis caché, je suis un arbre. Merde. Purple Flag m'a vu. Oh. Oh non, mais je... Je t'avais presque vu. Oula, ça descend. Titch, on compte sur toi. Ouais, je me suis vite barré en fait quand vous avez commencé à mourir. Le lâche. Et moi j'ai tué je crois que j'ai tué Barak. On va retrouver le rein et on fait un ragoût. Donc je me suis vengé des fois où tu m'avais tué. Ouais, non, ils ont perdu leur clé, Lucas Prime. Titch, il faut que je me venge. Venge-toi sur quelqu'un d'autre. Je suis au niveau de la navette, ils passeront pas. Ouais, il y a à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, il manque au niveau de la navette. Non, ça se trompe pas. J'ai tué aussi. N'oubliez pas, Titch. Mur de Wiz 6 devant le gars. You're going to die of death. Ah le piège. Oh, ouais. Je t'ai pris le piège en plus. Merveilleux. It was mine. Il était à moi. Le piège était merveilleux. C'était ma vengeance. On a gagné. Regardez. Oh, notre victoire. Yeah. Mais il en reste évidemment. C'est sûr qu'on a gagné. Il a été tué. Oh, Non, ils ont pas été tués justement. Ils ont raté la navette. Ah, c'est con. Ils ont raté l'embarquement. Voilà, c'est beau. Bon, du coup, j'ai fini premier de la game. On peut terminer là-dessus. Ouais. Franchement, oui. C'est d'accord. Oublions le fait que j'ai fini premier aux deux games précédentes. Mais c'est très bien. Oui, oublions ça. Très bien. Très bien! Bon jeu! Voilà, bah c'est ça. Du coup, on arrête? Ouais, on va s'arrêter là. Bah oui. Ok. Allez! On va aller regarder Loki. Oui, on va aller regarder Loki. Comme je disais, il est très bien.
Voilà, regardez Loki, il faut que je continue mon marathon Marvel. Donc je vais me faire 2 épisodes de WandaVision. No fake, vous avez perdu toutes vos games, mais c'est pas vrai. Bah, non. Les dernières, on a. Non, mais c'est Tribune qui perd après. Ouais, oh, bon, allez hop. On va les bouffer. Manger. Bon, bah voilà, c'est sur ce, on va arrêter là-dessus. Pas la soirée numéro 1 pour Speak. Bah, je vois qu'il y a. Ah. Attends. On a perdu qui trop tôt? Qu'est-ce qui se passe là? Pas moi. Non, c'est moi, j'ai cliqué sur le mauvais bouton. Ah. Bah, ouais. Je vais faire un petit raid d'ailleurs, restez là. Je vais déclencher un raid sur. Ouais, ça fait gagner des Tribune Coins. Un raid Shadow Legends? Oui, sur Xalkin. Comment on fait pour suivre le raid? J'ai jamais compris. Bah, en fait, c'est dans le restes. Chat. Tu touches à rien, voilà. C'est ça. Tu restes rien, comme ça. Ça te balance directement. C'est ça. Bah voilà, bah merci d'avoir suivi. En tout cas, c'est toujours un plaisir de jouer avec vous, comme d'habitude. Et on se retrouvera très bientôt. Et que la force soit avec vous. Ciao. Salut. Au revoir. Prout. Non mais comme mot de la fin, je te jure.